Bonjour tout le monde, c'est pour toute ma vidéo. Sur cette fois-ci, on est encore sur du LSPDFR pour enfin l'épisode 3. Voilà, en tant que police municipale, comme vous l'avez bien vu dans le titre de la vidéo, voilà tout. Attendez, est-ce que mon micro. Hop, et voilà. Et aujourd'hui, on va incarner un, bon, comme j'ai dit, un policier municipal. Voilà, je ne sais plus ce que je dis. Bref. C'est la fatigue. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je sors la vidéo après avoir fait le live. Le live qui était sorti sur ma chaîne, après, juste après ça, je sors une vidéo. Donc, je fais la vidéo. Donc, c'est normal que j'ai un peu la voix cassée ou alors que je suis un peu crevé. Soit. Cette fois-ci, mon collègue plutôt, on va l'appeler Frédéric. Voilà. On va l'appeler Frédéric parce que, voilà. Mais il va savoir pourquoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui a peut-être voir cette vidéo, qui va se dire pourquoi t'as appelé mon prix, pourquoi t'as appelé ton collègue Frédéric comme moi. C'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit, voilà, tu t'en souviens, j'en dis pas plus. Et bien sûr, notre véhicule, cette fois-ci, on va jouer avec. Voilà, je vous la présente. Elle n'est pas dégueulasse. En vrai, ça va. La petite Renault Clio, là, ça. Voilà. Hop. Et bien sûr, en tant que police municipale, on peut pas accepter toutes sortes de missions. Genre, les missions qu'il y a à voir avec la police nationale ou la gendarmerie, la BAC, le GN, le RAID, et ainsi de suite. Non, non, on ne pourra pas accepter. Parce que ce qu'on sait de la police municipale, c'est toutes les interventions qu'il y a à voir avec la circulation. Voilà, contrôle de véhicule, je contrôle les petits villages, ou alors, ça aussi je peux, petite course-poursuite, justement. Allez, go, 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 on vient de commencer la vidéo, ça y est, une course-poursuite. Il est en face, les gars. Ok, le véhicule a percuté un camion. J'appelle tout véhicule en plus pour m'aider. Qui vient de faire un crash, continue encore son chemin. On va recouper les teutons là. Ça, arrêtez-vous. Allez, Hertz. C'est bon, l'individu s'est pris les Hertz. Pourquoi y a un agent qui a l'esprit d'affaires là? Pourquoi y a un agent qui a l'esprit d'affaires? Y a pas d'agent de la mairie ou quoi que ce soit? Ne t'inquiète pas, pour la prochaine vidéo, je vais régler ce problème-là. Ne t'inquiète pas. On va mettre prenez là. Pour la prochaine vidéo, je vais essayer de régler ce problème. Je pense avoir tout réglé, mais apparemment. Voilà quoi. Eh bien, collègue. Allez, Frédéric, monte. Voilà. Là, ce que je vois, il y a encore tes problèmes. Ben, je pense que, les gars, en vrai de vrai, là, on a l'épisode 3. L'épisode 4,
Ça va peut-être se passer soit dans un autre pays ou soit dans une autre map. Enfin, voilà. Donc un autre pays quoi. Parce que on peut rester en France, hein, c'est pas ça. Mais on peut aller carrément aller en France sur un map, sur une map française. Donc ça, faut reste à voir. Sinon, on change de pays. Mais je pense, et j'en suis pas sûr, que d'ici la prochaine vidéo, on va faire un autre pays. Parce que je vous avoue que depuis que le mode français est installé, je n'arrête pas d'avoir des problèmes. Parce que je l'avoue, en fait, ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo. Donc voilà. Ça fait plusieurs fois que je tourne la vidéo. Et croyez-moi que c'est chiant. Hop. Qu'est-ce qu'elle fout? Allez hop, un petit contrôle. C'est ça la police municipale, on fait des contrôles. Voilà. Je peux avoir votre document s'il vous plaît? Merci Thank beaucoup. Regarde bien Fred, hein. On pourra pas casser une arme ou quelque chose comme ça. Tout va niveau madame. De l'enfer. Et vous allez où? Oh, j'ai envie d'aller. Avez-vous vu madame? Ouais, quand ça m'est dans le récemment. On va faire un test à colémie. Thank you. Ok, madame a consommé, mais elle est pas en. Voilà. Pour l'instant, ça peut aller. Elle a le rock. Thank you. Ok, tout est en négatif. Parfait, madame. Hop. On va vérifier le véhicule. Target vehicle license plate 20 Ida Sam Henry 631. A traffic violation. Approach with caution. Ok, je pense que madame a un problème avec son permis. Le permis a été retiré. Du coup, madame, écoutez, faites sortir tout véhicule, s'il vous plaît. Merci bien. Bien sûr, comme entendu, vu que votre permis vous a été enlevé, on devra saisir le véhicule. Donc, vous ne vous étonnez pas, madame, que votre véhicule sera à la fourrière. Enfin, à la fourrière, vous m'avez compris. Je vais fouiller le véhicule, madame. Ok. On va appeler une dépanneuse. Votre véhicule, vous allez le récupérer une fois que votre permis vous l'aurez repassé. Et bien sûr, madame. On va vous appeler au poste de police. Donc, je vous appelle un taxi. Et on vous mettra un rendez-vous pour la police. Hein. Donc, une convocation sera envoyée chez vous. On va attendre la dépanneuse avec le taxi. Garde-la, hein, Fred. Surveille-la. Oula. Ok, le véhicule a été saisi. Et elle part en taxi. C'est mon fret, monte. En fait, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va contrôler les véhicules. On va faire digne de la police municipale, quoi.
vehicle license plate 47 Young William Sam 262. Target is 10-4. Parfait, lui il est en or. Ok. On va faire le tour là. Il vient de voir un truc qui me dérange un petit peu. Contresens, mais tant pis. Déjà, attendez. Il y a un arrêt de bus là. Il y a un camion et un véhicule. Non, c'est quoi, on va les laisser les gars. J'avoue que le véhicule là il me dérange quand même. Enfin vrai non il me dérange pas. C'est parce qu'il y a un parking là de toute façon. Ben, si allez hop. Il y a un parking qu'à côté, faut pas se foutre la gueule des gens. Voilà. Target vehicle license plate 20 Mary Boy Adam 846. Target is 10-4. Là, c'est un arrêt de bus. On prend le prénom. Pour envoyer. Target vehicle license plate 22 Young X-ray Queen 034. Target is 10-4. Oh, attendez, madame, m'a occupé. Target vehicle license plate 04 Edward Zebra Paul 147. A traffic violation. Approach with caution. Voilà, comme ça, c'est bon. Eh mon collègue. On va attendre toute l'épanouisse qui va arriver. Hop là. Et voilà. Hop, bon. Ouais. Là, ce qu'on se faisait dit avant, je pense que dans l'épisode 4, on va faire un autre pays. On va voir. Si on continue, si vous voyez, dans l'épisode 4, que c'est encore la France, donc spécial français, c'est que j'aurais réglé le problème. Si maintenant, vous voyez un autre pays, c'est que je n'ai pas réussi à régler le problème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mettre des modes, c'est très très long, compliqué non, une fois que j'ai l'habitude et tout, compliqué c'est pas compliqué, mais c'est long, très long. Target vehicle license plate. Ah. 24 King Henry Mary Niner Niner 2. A traffic violation, a traffic felony. Approach with caution. Waouh. Oh là 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 là. Il est pas sérieux ce mec. On peut appeler une ambulance. Oh monsieur, on va commencer par quatre chemins, sortie du véhicule.
Je vous passerai presque là, monsieur. Vous avez renversé quelqu'un. J'espère pour le coup, il l'avait pas tué. Plus destruction de voie publique. Ah, c'est collègue, fouille-le. Ok, lampe de poche, enfin une lampe torche, un appareil photo qu'il avait. C'est bon, la personne était réanimée, elle est pas morte, elle va être amenée à l'hôpital. Le véhicule, on va fouiller le véhicule. Monsieur avait un manque pour son véhicule. Hop. Ok, monsieur. Ouais. Hop, on va appeler une unité qui vient de le chercher. Ah, ça, une unité va le chercher. Allez, c'est les collègues ici. Monsieur va être transporté par une femme en plus, ça a de la chance. Merci, collègue. Allez, Fred, monte. Hop, petit calot. On va faire ça. Apparemment, une personne susceptible d'avoir braqué un magasin, une super quelque chose comme ça, car il y a une personne qui est armée. Personne armée, on y va. Là, si on n'est pas armé, on va quand même y aller voir. Enfin, on a sa pompe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la police municipale n'ont pas d'armes à feu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais Fred, tu fais quoi? Non, on n'en a pas de plus à pompe. On n'a pas le choix de se mettre à couvert, hein, mon gars. Enfin, Fred lui fonce. Ouais, une personne. Il y a une personne morte. Ok. On va bloquer la route, les gars. Je pense que mon collègue l'a tué ou. Est-ce qu'il y a eu tes coups de feu? Il est parti. Non? Je dois dire parce que mon collègue est là. Mais. Hop, on va appeler une ambulance. Garbage.
forcément, mais ne vous inquiétez pas. Ça pousse une ambulance pour vous. En fait, la personne a été. Il y a eu un accident, le mec n'était pas content et il a sorti une arme. Collègue, c'est bon. Hein. Fred, tu fais quoi? On va enlever le véhicule. Bien sûr, on va appeler quelqu'un qui vient chercher votre véhicule. Je comprends pas pourquoi il vise par là, lui. Ah. Aïe, 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 aïe. La personne est morte. Donc on va appeler le coroner. Garbage. Voilà, tant que mes collègues s'occupent de ça. On va voir après le tireur. Fred, tu montes? Non. Allez, monte Fred. Et quand on leur arrive, pour le calaf, pour ça, tranquille. Et voilà les gars, ça sera déjà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça sera plus, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Cela fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou bien un nouveau live. Voilà, on verra bien ce qui va sortir. Sur ce, je vous dis, comportez-vous bien et ciao les gars.